Bon, on attaque. Donc, jour Allons-y. 2. Merci à vous deux encore une fois de m'accompagner. Alors, en préparant l'agenda d'aujourd'hui, enfin, les supports de présentation, je vous confirme, on aura encore des vidéos inspirantes, articles de presse, cas pratiques, interactions prévues entre nous trois, évidemment. On va notamment toucher à pas mal de principes de finance et des formules de calcul. Donc, Mathieu va être peut-être plus à l'aise que toi. Je lance un petit peu un défi là, tu vois, entre vous deux. De nous prouver l'inverse. Et puis évidemment, l'idée, c'est qu'on discute. Hein. On n'est pas pour se faire mal avec un cours pénible et laborieux d'une heure et demie. Et il y aura des chiffres. D'accord. Donc, encore une fois, moi, je vous félicite pour être encore là. Il n'est pas impossible que d'autres nous rejoignent derrière. Mais voilà, en tout cas, on avait quand même pas mal de participants. Je suis moi déjà très content de voir qu'il y a pas mal de gens intéressés. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait la première fois. D'accord? Et donc là, ce que je propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est donc qu'on continue l'agenda. Donc, on va continuer sur l'aspect un peu psychologique et disposition mentale. Les vertus, et justement, on va faire un petit jeu, toi et moi, si tu veux bien, de savoir un peu toi ton expérience côté action et moi côté immobilier pour savoir quelle vertu te semble importante pour Ouais. réussir. Tu vois, je pense que ce serait intéressant de partager nos expériences. Et puis, on va faire un truc qui, je crois, va être vraiment, vraiment, vraiment clé. On va définir ensemble, si vous le voulez bien, un objectif et une stratégie patrimoniale. Alors, chacun pour soi. Et je vous propose une méthode et vous l'appliquez. Donc, j'ai prévu des papiers et un stylo. Et donc, si tu as un ordinateur, je pense que tu en as un Oui. pour faire les calculs. Et après, pour un papier et un stylo, pour l'objectif de la stratégie, je pense que ça va être c'est simple. OK, je suis équipé, c'est bon. Mais encore une fois, je suis certain que la plupart d'entre nous n'ont jamais fait parce qu'on n'a jamais pris le temps de voir et de dire voilà ce que je vais faire dans 30, 40 ans, quoi. D'accord? Et bien après, la partie 4 est prête aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on regarde les différents moteurs pour pouvoir s'enrichir, parce qu'il n'y a pas que l'immobilier. Et je vous donnerai après les arguments pourquoi je recommande notamment actuellement l'immobilier par rapport à d'autres éléments. OK? Et alors, comme je te l'ai promis, bah, vous deux d'ailleurs, parce que j'en avais parlé, du coup, je me suis lancé sur un cas de simulation qui, je pense, devrait vous intéresser tous les deux. C'est évaluer, quand on parlait hier, vous savez, du gap entre le salaire et la retraite. De quoi vraiment parle-t-on? Et donc, j'ai pris le cas d'une personne qui m'a inspiré. Je ne citerai pas le nom ni prénom. D'accord. Toute Et ressemblance avec personne existante voilà, serait fortuite, c'est ça? absolument fortuite. Donc, c'est quelqu'un, voilà, de mon imagination, et uniquement de mon imagination. Et le deuxième point, c'est voilà, cette personne-là, une fois qu'on a établi entre guillemets les dégâts hein, du passage salaire à retraité, et si on faisait deux hypothèses, ben, on regarde ce qui lui arrive en tant que propriétaire habitant, donc ça c'est son cas de départ, et qu'est-ce qui se passe s'il devient locataire en 2020, il achète de l'immobilier locatif et il arrive à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment il y a une incidence ou pas sur cette situation? Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir, mais on va quand même suivre l'exercice au fur et à mesure et on verra ce que vous en pensez. Donc, j'ai pris un exemple qui est ici. Donc, c'est le profil de la personne est indiqué là. Donc, c'est un homme qui, à ce jour, a 48 ans, a commencé sa carrière en 98, est marié, il a 5 enfants, quelqu'un de généreux. Il a une tranche de la position actuellement relativement faible de 10%. Il travaille dans les ventes. Donc, il a des fois un salaire fixe, un salaire variable, pardon, un peu erratique. Il y a une petite faute sur le texte. Il est propriétaire de son habitation principale à Orléans, une maison de 130 mètres carrés qu'il a achetée 2500 euros en 2010, en 2007, financée non pas sur 15 ans, mais sur 25 ans, 100% à crédit. Il a, dans ce qui caractérise dans ses dépenses, c'est qu'il a d'importants frais de scolarité pour ses enfants. Il a une voiture qu'il a payée à. Voilà. Et pendant sa retraite, a priori à 60 ans, mais à 60, 65 ans, je crois qu'on avait changé. On a mis 65 ans. Donc, ce que j'ai imaginé, c'était que la rémunération de la famille nette en 2019 était de 115 000 euros et qu'entre aujourd'hui et le jour de la retraite, donc dans 17 ans, son salaire va gagner 1% à peu près. D'accord? Et qui arrive à la retraite, elle, va évoluer de 0,5% par an. D'accord? La mensualité, donc en utilisant un simulateur de prêt que je montrerai tout à l'heure, la mensualité que. Salut, ça va? Salut, ça va? Mais toi juste là. Ouais.
la mensualité, la mensualité d'emprunt pour le bien qu'il a acheté, encore une fois, en 2007, est de 1 350 euros, ce qui fait par an 16 200 euros. Et qu'il a donc encore jusqu'en 2032 à rembourser. Les frais scolaires sont un peu agressifs, mais, bon, parce que c'est... mais l'idée, c'est de dire, voilà, il y a vraiment une somme d'argent importante, de à peu près 30 000 euros pendant 4 à 5 années, donc 2019 jusqu'à 2025. Ce qui lui permet aussi d'avoir un avantage d'impôt qui est intéressant parce qu'il a beaucoup de parts familiales. Ça veut dire aussi que quand les enfants vont partir, le taux d'imposition va monter. Parce que mécaniquement, ils gagnent de l'argent, mais le taux d'imposition est plus fort parce qu'il a moins de parts. Les gens, chacun de ces étudiants vaut à leur propre occupation plus tard. Ça, c'est 450 euros. C'est ce que j'imaginais était le coût de sa mensualité de voiture. Et qu'entre guillemets, dans un bout de 4-5 ans, il reprend une voiture neuve, donc il repart sur le même budget. D'accord ? Ça donne les éléments que vous allez voir à gauche, ils sont juste ici. Alors, sur la base du salaire de départ 115 000, j'ai imaginé le salaire du passé. Quelqu'un qui aura commencé à 55 000 euros à l'époque et par palier, hein, vous voyez, hein, ouais. Gagne, non net, net, net avant impôt, d'accord ? Il gagne actuellement avec son épouse 115 000 euros. C'est le foyer, là, d'accord ? Alors, j'ai estimé, encore une fois, c'est du high level parce que par défaut, l'imposition a changé depuis l'époque, mais c'est une famille qui devait claquer entre 10 et 15 000 euros d'impôt avec l'apport des enfants qui, à mon avis, a dû taper plus tôt, mais ça dépend de l'âge qu'ils ont, quoi. Mais à peu de choses près, on va dire, voilà, la situation est plus allégée actuellement en impôt, ils en payent toujours, mais la somme est moins importante. Et on est bien en train de dire que la scolarité devient plus forte quand les enfants ont 18 ans. Donc, s'ils ont 18 ans, ce qu'ils ont en l'an 2000, qu'on peut effectivement imaginer que la position, à mon avis, doit être plus basse à partir de 2010. On estime qu'ils vont être d'accord, à peu près en 2017. Donc, c'est qu'ils ont probablement, ils ont dû commencer à venir et à naître aux années 2004 à 2007. D'accord, donc, on a la scolarité qui est ici. Ici, on a la voiture qui est là et qui ne bouge pas. Et ici, ce qu'on a à côté à gauche, on a des informations intéressantes. On a toutes les charges qui finalement explosent parce que les enfants sont en âge de commencer à coûter de l'argent en termes de frais de scolarité. Donc, ça fait un reste à vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai disponible pour partir en vacances, acheter, à manger, la descendre dans la voiture. Enfin, voilà, il y a un reste à vivre qui est ici. Et là, il y a ce qu'on appelle un taux d'endettement. C'est-à-dire qu'on est sur des gens, et tout ça, je le mets en graphique, d'accord ? Je vous montrerai un peu après. Puis après, on est sur un salaire qui commence à augmenter, et forcément, on arrive sur la fameuse formule qui apparaît ici. J'ai pris 72%, c'est-à-dire que on avait dû, la dernière fois, qu'on est 75%, c'était le salaire moyen, le pourcentage appliqué au salaire moyen net de toute la carrière de la personne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça fait tomber de 34 000 euros à 73 000 euros l'année de la retraite. Ça veut dire que les impôts baissent, mais qu'il est encore imposable. Et entre-temps, les enfants, ils ont grandi. La voiture, on peut même considérer qu'au bout d'un moment, c'est moins important que la voiture. C'est discutable, mais peu importe. Et donc, on est à un niveau, c'est là où je voulais vous montrer, c'est que le net à vivre, qui avant que les enfants coûtent très cher, était aux alentours de 57 000, 60 000 euros. Il a baissé parce qu'on a la pression forte des enfants, bien qu'on réduise les impôts. Une fois que les enfants sont partis, cette famille va beaucoup mieux aller. Ouais. Okay, on est d'accord, on remonte à 75 000 euros. Là, on est dans la période d'or de revenus disponibles de ces personnes-là. Alors, une fois ensuite, après que la maison est payée, alors là, c'est le nirvana, d'accord ? On parle de 2033, donc il faudra être patient quand même, parce qu'on a un prêt qui est d'assez longue durée. Et alors, après avoir vécu 3 années de nirvana, on retombe, j'ai envie de dire en enfer, on retombe au niveau de 2012. Okay, alors là, c'est des francs constants ou des euros constants, parce que ce ne sera pas la réalité. Mais en ceci dit, quand on a fait une augmentation ici de salaire, elle est déjà, à cause de l'inflation. Donc, je suis plus tendance à dire que ce montant-là est presque un peu trop fort, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est sur un revenu disponible qui est plus bas que celui-là en francs actuels. D'accord ? Parce que là, entre guillemets. Et ça fait le graphique souvent. On retrouve ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a un taux d'endettement qui n'était pas élevé au début, pas beaucoup de charges.
il commence à monter avec le prêt. Il devient, donc là, on est à 25%. Avec les enfants, la réalité, c'est que ton endettement est vraiment très élevé. Les enfants disparaissant, on retombe à avoir une bonne marge ici de manœuvre. Et puis alors, une fois qu'on a fini de payer le prêt, la maison, on a quelques années sur l'endettement qui est vraiment très, très bas. Mais on a ce gap, quoi. On a ce gap qui est majeur entre donc, ce revenu ultime et la retraite. Réaction ? Très intéressant. Non, c'est effectivement, c'est la... on voit bien une croissance des coûts, une baisse, et puis l'effet de ciseau à la fin avec les enfants qui partent d'un côté, et puis de l'autre côté, l'augmentation d'impôts, effectivement, qu'il faut prendre en compte au moment des départs. C'est ça. Et alors, l'enseignement qu'on peut y voir, d'abord, c'est que paradoxalement, entre guillemets, le moment pour investir est délicat parce que l'endettement est déjà élevé, en fait. D'accord ? Donc, on pourrait déjà se dire, mince, quelque part, si je veux anticiper maintenant, soit je désingue mes enfants avec une carabine, ou je désingue le banquier, quoi. Hein, Donc, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est que quand bien même il y a eu un effort d'économie fait par l'achat de la maison, qui fait que subitement, ce n'est plus une charge locative, hein, ce n'est même plus une charge trésorerie à l'arrivée à la retraite. D'abord, un, il n'y a que 3 années entre guillemets de Byzance, d'accord ? Mm-hmm. Et deux, ça ne suffira pas à reconstituer le revenu, je dirais, disponible auquel la famille s'est habituée pendant 15 ans, quoi, d'accord ? Mm-hmm. 12 ans. Et 12 ans, exactement, d'accord ? Et donc, il y a un retour de 12 ans en arrière en termes de pouvoir d'achat. Et encore là, je pense que chez 57 000, à mon avis, il faut prendre le fait qu'on a des charges qui, elles, auront pris avec l'inflation de 0,5 par an. D'accord ? Le reste à vivre, le pouvoir d'achat sera en fait moins, parce qu'il aura été érodé par l'inflation. Et surtout, on fait 12 ans en arrière en ayant plus de temps pour pouvoir dépenser. OK ? Mm-hmm. Là, quand on travaille, quand on a 104 000 euros net, oui, mais très bien, mais on bosse dur. Et en plus, on est des managers. D'accord ? Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour dépenser de l'argent. Quoi. OK ? Donc, du coup, arrive la question suivante qui consiste à dire « Ouais, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas éventuellement aller investir ?» Okay. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris l'hypothèse suivante. Je vais cacher ça. J'ai pris l'hypothèse suivante que cette personne-là qui a acheté un bien à 2500 euros en 2007 va pouvoir le revendre. Je n'ai même pas pris en compte, d'abord, alors, la plus-value potentielle du bien, je ne sais pas que l'immobilier à Orléans, mais je dirais 3 000 à 3 500 euros, à mon avis, ils y sont. Donc, ça veut dire que si on doit faire rapidement un calcul sur mon hypothèse comme ça, on a dit que c'était 200 000 euros, 230 000 euros. Alors, c'était 230 000 euros, c'est par 2 300, je crois, et divisé par 3 300. Excusez-moi. Donc, il y a un prix de vente de 330 000 euros par rapport à 230 000 euros de prix d'achat. Et il va falloir retrancher, évidemment, le montant de l'emprunt qui reste tendu. D'accord ? Donc, on fera le calcul tout à l'heure, mais il y a du temps à récupérer, quoi. Première information. Je n'ai pas pris de considération. D'accord ? Et puis, il n'y a pas nécessairement envie de se restreindre en termes de taille. Il loue un appartement de même taille, 500 mètres carrés, qui est à peu près 11 euros le mètre carré, et pas déconnant. C'est 1530 euros par mois. Soit 17 000 euros de loyer. Donc, on est bien d'accord, on est dans un cas où ici, la mensualité était de 1 200 euros, on passe à 1 130 euros. On économise la taxe foncière, okay, c'est quand même le... mais on est en train de dire quelque part qu'on augmente la charge mensuelle d'une aide de trésorerie. D'accord ? Et donc, après, tout l'enjeu après consiste à être capable de pouvoir financer les biens immobiliers. Alors, on a une section sur ça spécifique. On ne va pas en parler, mais ce que j'essaie de faire ici, c'est vous montrer que j'ai pris une hypothèse et après, on peut s'amuser à retirer le manque de biens. Mais là, supposons que c'est quelqu'un qui va acheter 4 biens, un studio, 87 500 euros, un loyer annuel de 500 euros par mois, puis par 12. Vous avez les éléments qui apparaissent ici. D'accord ? Et avec la mensualité que j'ai calculée ici, on arrive à un cash flow net avant impôt de, disons, de zéro. Et puis un deuxième achat un peu moins judicieux, mais parce que pas parfait. Un deuxième studio dans la même résidence, un peu plus grand,
Donc, il fait 3 mètres carrés. Le premier, il en faisait 25 mètres carrés. Le loyer est un peu supérieur, 50 euros. Mais bon, voilà, c'est moins rentable que le premier. On est à 6,3 de renta brute contre 6,9. Les charges copro sont liées au mètre carré qu'on a ici. Là, on est sur un bien parce qu'il est moins rentable. Vous voyez, hein, tout de suite, on perd en trésorerie hein, parce que ça nous coûtera 564 euros par mois. Par annuel. Donc, ça coûtera 50 euros de sa poche. Là, 0 à 50 euros. Là, on a 0, là, on a 50 euros. Donc, tout ça, c'est des impacts annuels. D'accord ? C'est clair ? Ça va ? Donc, on a grosso modo un effort trésorerie de 1 156 euros par an. Ça fait à peu près 100 euros d'effort trésorerie mensuel. Avant impôt. D'accord ? Ça va ? Ça veut dire qu'une fois que, c'est, que les appartements qui sont ici, et je crois que je vous montrerai les calculs, mais je vous montrerai tout à l'heure les prêts d'amortissement, ils sont ici. Une fois que j'aurai remboursé 20 ans après ce bien-là, ce bien-là, ce bien-là, ce bien-là, la ligne du remboursement de mensualité va disparaître. Et donc, vous allez avoir 5050, 5520, 5050, 5520, plus l'inflation, mais on va dire qu'elle n'existe pas, d'accord ? Donc, vous allez effectivement toucher 21 140 euros à partir de 2040. C'est bon ? Ok. Ouais. Ta rentabilité, excuse-moi Jean-Pierre, tu peux venir sur ton calcul de rentabilité ? Tu obtiens comment le 6,9% ? Alors, on va le voir tout à l'heure en détail. Mais d'accord, ok. C'est très simple, non mais c'est une très bonne question. Donc, je vais répondre maintenant, mais tout à l'heure, on va le réappuyer dessus. C'est le loyer brut mensuel multiplié par 12 divisé par le prix d'acquisition plus frais de rénovation s'il y en a. Alors, il y a plusieurs techniques de rentabilité brute, net, mais celles qui permettent déjà d'avoir un premier niveau de sensation du bien qui est sympa, qu'on peut calculer de tête, quoi. Voilà. Tu n'as pas une calculatrice avec ta main tout le temps que tu regardes ce truc, quoi. C'est le loyer brut que tu peux vraiment en attendre, multiplié par 12, divisé par les prix d'acquisition, incluant des frais de rafraîchissement s'il y en a. D'accord ? Mm-hmm. Alors, 6,9 et 6,3, c'est d'assez bonne rentabilité, pas exceptionnelle, mais voilà, c'est d'assez bonne rentabilité. Les studios en général sont plus rentables, mais parce qu'il y a plus de vacances en général. D'accord ? Donc on est sur quelqu'un qui aujourd'hui va faire un effort de 100 euros par mois sur un loyer qui est un peu supérieur à sa mensualité. Donc il y a vraiment un effort à faire, ça c'est clair. Donc il va falloir vraiment serrer un peu la ceinture hein, de 250 euros par mois, on va dire, à peu près. D'accord ? Et voilà ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire derrière la chose suivante. Ça veut dire que j'ai ajouté ici dans l'aspect revenu. Non, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une ligne à part. Fil 1. Ah voilà. Ah oui, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes éléments que la première cellule. Et ce que j'ai fait ici le coût du cash flow annuel pour les investissements. D'accord ? Donc, ça dégrade légèrement. Vous voyez, 44,3, 44,9. Et si je reviens ici, on est sur 44,4 et 44,0. D'accord ? Donc, on a 0,1 à 0,5 points d'effort d'endettement de plus. Okay ? Donc, c'est le premier point. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré. Alors là, j'ai du cash flow négatif. Et puis, à la fin des 20 années d'investissement, voilà, j'ai mis dans les revenus ici l'argent qu'ils ont gagné du plan d'investissement. D'accord ? Donc, c'est-à-dire en clair, les 1156 qui sont une charge ici, que j'ai pris en considération dans l'endettement, j'ai un effet de cliquet, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que immédiatement, dès que j'ai fini de rembourser l'emprunt, j'ai 21 000 euros qui rentrent dans mes revenus. D'accord ? Donc, soit dans les charges, soit dans les revenus. Donc, ça apparaît ici. Et effectivement, c'est des revenus qui arrivent. Alors là, en l'occurrence, comme j'ai pris 20 ans, c'est des revenus qui rentrent après être à la retraite. OK ? Je n'ai pas cherché à optimiser. Hein. J'ai juste dit, voilà, j'ai pris 20 ans parce que je veux avoir le cash flow, l'impact trésorerie mensuel le plus bas possible parce que je suis déjà un petit peu à la ramasse, on a vu. Hein. Donc, j'essaie de me dire, voilà, je n'obtiendrai pas 15 ans. Je vais prendre 20 ans et en plus, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, ça veut dire que soit je revends un appartement avant ou soit je ne les revends pas et j'ai l'argent qui tombe là. Et donc, ça fait un graphique qui est comme ça. On voit très bien, hein. Il y a le salaire qui est là. J'ai mes 4 ans
de retraite où j'ai encore ces quatre appartements à rembourser, mais tout de suite j'ai ça, quoi. Tout de suite j'ai ça et tout de suite je me retrouve ici, 74 000 euros, je me retrouve avec un revenu disponible post-impôt équivalent à peu près à mes meilleures années. Donc le moral de l'histoire, pour synthétiser, c'est que dans ce profil-là, cette personne-là accepte familialement, ce qui n'est pas gagné, de déménager pour un appartement, accepte de passer une mensualité, et ici je suis né dans un cas, je crois, plutôt défavorable, d'une mensualité d'emprunt qui est inférieure au loyer. À Paris, c'est l'inverse. À Paris, j'ai 850 euros de loyer actuellement. Mon appartement, je l'achète actuellement sur 20 ans, c'est 1400 euros mensualité minimum. Donc là, le cas, il est presque, entre guillemets, pessimiste, quoi. D'accord ? En théorie, vous devriez avoir une économie, que d'ailleurs, c'est l'occasion de la mettre de côté, d'économiser. D'accord ? Du coup, comme ça, l'endettement est un peu important, on a pris 20 ans sur les studios, mais pourquoi pas, c'est un choix. Dans cette situation-là, pour cette personne-là, on arrive à stabiliser le niveau de vie au jour le jour en prenant un investissement que si j'ai pris 4 studios, excusez-moi, ils sont là, 4 studios, pour un total de 385 000 euros. On pourrait imaginer autre chose, hein. On pourrait imaginer un premier studio pour se faire la main et un immeuble de rapport à Orléans avec deux T1 et un T2. Et une fois que la personne qu'on ne citera pas, qui a 48 ans, qui habite près d'Orléans, s'est fait la main sur un studio pour voir un peu comment ça se passe, a mis un locataire à l'intérieur, a validé que les parents étaient là, que la locataire, préférence une demoiselle, qui sont plus soignées que les garçons, se comportaient bien. Et un an après, pim, avec la confiance que j'ai, je prends un immeuble de rapport, ce qui veut dire que je vais économiser cette taxe foncière, on verra ça le jour numéro 4, et que j'ai zéro, ça ne compte plus. Et subitement, j'ai une rentabilité qui passe de 6,3 à 8,9. Tout va ? Ouais, c'est bien. Et là, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu que même un propriétaire habitant qui aurait un impact défavorable pour passer de l'achat où il est en location, un, il peut vendre et encaisser de l'argent en capital que je n'ai pas valorisé. Hein. Ouais. Si tu as 150 000 euros en cash qui arrive et que tu fais quelque chose avec intelligent et que tu accumules derrière l'économie des loyers, imagine que tu as comme capital dans 20 ans après. Donc, ça, c'est un avantage. Je ne factorise même pas ça. Par contre, je factorise le fait qu'il y a un loyer un peu plus cher. Je factorise le fait qu'il y a un ou deux ou quatre investissements à faire qu'on met sur 20 ans et qu'on garde pendant 20 ans avec une rentabilité qu'on a vue qui est celle qu'elle est. Et vous voyez le bénéfice. Même s'il y a 4 ans, un petit peu dur de retraite au début, il va falloir serrer un peu la ceinture. La promesse qui est là, c'est qu'à la fin du remboursement de ces deux ou quatre investissements locatifs, vous recouvrez un niveau de revenu perpétuel mensuel qui revient aux années d'or des dernières 10 années de vie, quoi. C'est pas mal. Questions avant de passer au cas suivant ? Remarques ? Observations ? Didier, tu es encore là ? Ah oui, je t'écoute avec attention. Et en fait, le niveau de vie que tu calcules, tu déduis bien le loyer, en fait, dans le revenu disponible net. Yes, on pourrait y revenir. Je vais continuer à le payer. Enfin, tu continues à le payer, quoi. C'est ça. Exact. Exact. D'accord, donc c'était bien pris en compte, ok. Ouais. Ok. On avance. Donc, dans les différents points prévus dans l'agenda, on rentre sur le côté psychologique. Et j'ai encore eu un tel une discussion extraordinaire avec Patrick à table, qui a acheté visiblement. Je ne crois pas que tu regardes la vidéo, mais il a acheté un bien à Nouméa, attiré par la carotte fiscale. Au début, un paquet de réductions fiscales, et après, derrière, il déchante. Quoi. Ouais. Pareil, il a regardé la carotte fiscale, il n'a pas regardé le risque réel. Il n'est pas là à Nouméa vérifier où il a acheté. Quoi. Excusez-moi, peut-être que je couperai ça à la vidéo, mais c'est la réalité. Donc, mais non, mais c'est risque. C'est un exemple, si tu as un prénom de quelqu'un, mais. C'est réussir à identifier le vrai niveau de risque. Et c'est exactement ça. C'est pas la peur, c'est je me pose les bonnes questions pour savoir à quoi je m'engage, c'est quoi les risques que j'ai en face, et quelle est la rentabilité que je peux vraiment, vraiment obtenir, et quel est le rapport entre les deux. Ça, c'est majeur. Mathieu, tu connais la finance. Voilà, il faut absolument qu'on en parle. C'est fondamental. On va parler de notre relation au temps. On va parler, on fera un jeu de
cette expérience avec Mathieu sur qu'est-ce qui nous semble être les vertus mentales majeures pour réussir dans l'investissement financier à la bourse ou l'immobilier. Et après, on parlera notamment de quels sont aussi les leviers pour pouvoir, entre guillemets, passer à l'action. L'idée, souvenez-vous, on disait le premier jour que, en fait, on suit une trajectoire dans notre vie. En fait. Voilà, on a un salaire, on a une carrière, elle avance. Et pour être capable de se dire, je vais acheter 4 studios, on est d'accord qu'on va créer une rupture. Et la rupture, ça ne décide pas comme ça. Sinon, tout le monde ferait de rupture tous les jours. Et c'est bien qu'il y a quelque chose, une mécanique à mettre en place. Le simple fait de savoir que l'immobilier rapporte de l'argent ne fait pas qu'on est un clair enseignant d'investisseur. Vous doutez bien qu'il manque quelque chose, qu'une technique n'est pas suffisante pour le faire. En fait. D'accord. Donc, d'abord, le comprendre mon risque. Alors, plutôt que vous en parler, j'ai trouvé une vidéo. Tu comprends, c'est bien mieux que moi. Donc, avec Jean-Pierre. Oui. J'entends pas le son, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, j'entends rien du tout là. Zéro son. Zéro son. Pourtant, je suis en partage. Non, on l'avait fait. Ah oui, parce que attends. Ah oui, attends. Non, mais pourtant. Non, ah oui, parce que non, je sais pourquoi. Ça te dérange pas qu'on partage ton écran ou... Parce que je pense à la fin, on avait ce problème-là. Alors, j'ai réussi à mettre le son sur mon PC, mais je pense que. Attends deux secondes, peut-être que je peux essayer de le gérer ici. Non. Ouais. Attends, cher computer sound. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Il y avait une option à aussi activer à l'intérieur de la. Désolé, j'ai trouvé la technique. Le rendement risque. T'entends là ? Parfait. L'investissement se mesure en prenant en compte ce qu'il rapporte de façon récurrente : loyer, dividendes, intérêts. La plus-value effective lors de la revente par rapport à ce qu'il coûte. Le principal risque d'un investissement financier est la perte en capital, c'est-à-dire de ne pas retrouver sa mise au moment de la vente. Il peut s'agir d'un bien immobilier ou de produits d'épargne, actions, obligations, etc., revendus à perte. Les cours des produits boursiers peuvent varier parfois fortement à la hausse comme à la baisse. Autre risque, celui de ne rien gagner. Par exemple, si les taux d'intérêt sont à 0%, les placements monétaires ne rapportent rien. Le risque d'illiquidité, c'est l'impossibilité de récupérer son épargne à tout moment. C'est le cas, par exemple, des produits bénéficiant d'un avantage fiscal à la souscription. Le risque réglementaire porte, quant à lui, sur la modification d'un texte qui impacte négativement l'investissement déjà réalisé. Par exemple, la modification du régime des plus-values. Pourquoi rendement et risque sont-ils étroitement liés? Parce que plus le rendement est important, plus le risque est élevé. En effet, personne n'accepte de prendre un risque sans être payé de retour. Attention, un rendement élevé sans risque n'existe pas. Si l'on vous promet un rendement certain de 15% par an, c'est probablement une tentative d'escroquerie. En bref, pour réduire les risques, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire bien diversifier son épargne et laisser du temps au temps. En effet, plus la durée d'investissement est longue, plus l'épargnant peut s'autoriser à prendre des risques. Chacun a une relation personnelle au risque. Il faut donc bien se connaître pour pouvoir agir au mieux de ses intérêts. Ouais. Je ne sais pas si ça vous fait réagir un petit peu, mais l'histoire de partir tout à l'heure, c'est exactement ça. Changement des règles du jeu en cours d'investissement du bien. Du coup, le loyer chute. Après, il a acheté une Nouméa, il n'a pas regardé que malheureusement, l'équivalent d'un duplex, les gens locaux n'ont pas nécessairement les revenus pour acheter ce bien-là. Donc, à qui tu le revends? Donc, on en verra tout à l'heure, mais il y a vraiment l'aspect stratégie, elle est vraiment basée de trois piliers. C'est quelles sont mes conditions d'entrée? Comment j'achète? Okay, à qui j'achète? Est-ce que j'achète moins ou plus cher que le marché? Après, que va-t-il se passer pendant la durée de vie? Pas uniquement le rendement facial le jour J, mais est-ce que ce bien-là aura beaucoup de vacances ou pas? Est-ce que le monument locatif sera fort ou pas? Il faut se poser ces questions-là. Et puis, à qui je vais le vendre? Quand des résidents de service, qu'on peut voir, alors c'est facile là, d'acheter. D'abord, un, vous ne contrôlez pas le prix d'achat, vous pouvez pratiquement peu négocier. Deux, votre contrat défini terme, où vous êtes pieds et mains liés à l'exploitant par rapport aux conditions auxquelles il vous rémunère. Qu'en plus, si jamais ça ne va pas, il y a le droit d'aller au tribunal et de changer les termes de votre contrat.
Et à la fin, vous allez vendre à qui? Quel est le gugus de 40-50 ans qui veut acheter une pièce abîmée dans une résidence de service où il n'a pas d'avantage fiscal? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment le voir comme ça, quoi, et pas uniquement ce côté facial. Didier, des remarques? Non, je t'écoute. C'est pas bon. De remarques. Voilà, donc pour tout à l'heure, et encore une fois, ils l'ont bien dit, hein, rendement, risque sont intimement liés. Ouais, il y a de la faute à pas de chance, ça c'est sûr. Mais tu peux te poser les bonnes questions. Ça par contre, tu peux. Après, si la démographie d'une ville donnée comme Toulouse s'effondre en 10 ans, ok, c'est pas de chance, quoi. Et bon, tu as fait ton boulot. Tu vois ce que je veux dire? Non, on devient si chiant, en fait, tu te rends compte que le facteur chance. Ouais. Ok. Donc, on a parlé tout à l'heure du rendement immobilier, donc je propose de ne pas trop y rester. Mais par contre, je veux voir si vous êtes capable de le calculer. La pratique. Pourriez-vous me dire, un T3 sur Marseille qui se loue 1000 euros par mois, et vous en repérez un, là justement vous êtes sur le bon coin, il vaut 240 000 euros. Quel est son rendement brut? Je vais prendre la calculatrice si vous voulez. Hein. C'est facile. Hein? Yes. Ok. Donc 1000 euros par 12, 12 000 euros divisé par 240 000. D'accord? Non, mais c'est. La question. 5%. All right. Maintenant, dans un village du Morvan de 6000 habitants, vous trouvez sur le bon coin un bâtiment proposé 110 000 euros contenant 3 lots. Un T3 louable à 550 euros par mois et deux T2 louables à 450 euros par mois. Il faut prévoir 10 000 euros de rafraîchissement à faire en sus. Quel est son rendement? Ah non, tu me fais travailler. Là, non. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Ça te va? Bon, j'ai le compte est bon, 14,5, j'ai. C'est ça. Ok. Et vous préférez la quête des opportunités? Ça, c'est la question, ça. Hein? Donc, c'est la bonne question. Vous préférez 14,5 ou 5%? Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est la prise de risque, c'est qu'il y en a un qui va être plus. Enfin, on veut le revendre à la fin. Ouais. Et je suppose que le village du Morvan, nos chances de revente sont sans faire de moins-value, sont plus. C'est plus risqué. Voilà, ça, le deuxième est clairement plus risqué que le premier. Ce que je suppose, en tout cas. Ça manque des données. Hein. Oui, mais peu importe, quelle question tu poserais, quoi. Sur le bon coin, tu n'auras pas mieux, hein, d'accord. Sur le bon coin, quand tu vas voir les annonces, tu n'as pas plus d'informations. On est d'accord. Si, tu peux savoir où c'est pour le rond. Oui, mais. Okay. Non, mais il y a Marseille et tu as Villa dans le Morvan. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est... Tu vois? Je vais vous illustrer avec ce témoignage-là. Même de rapport, alors. Internet. D'accord. Et la raison pour laquelle j'insiste, c'est qu'il y a ces gens de témoignages comme celui-là, quand il est relativement honnête. Il y a tellement de gens qui actuellement sur Internet vous promettent des rentabilités 10-15% facile, quoi. Ok. Et il y a un témoignage. Depuis un certain temps, vous savez que les locataires que j'ai dans mes immeubles sont des locataires en précarité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de CDI, qui n'ont pas forcément d'emploi stable, mais qui perçoivent la CAF. Et que la CAF paye à peu près les trois quarts du loyer. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, le loyer le plus petit que j'ai dans les immeubles, c'est un loyer de 280 euros charges comprises, et la CAF paye déjà 256 euros. Et c'est 256 euros qu'elle verse directement à l'agence qui gère mes biens, et ensuite l'agence me reverse les 256 euros. Donc du coup, le fait d'avoir la CAF, c'était un peu une garantie d'avoir au moins les trois quarts du loyer.
Après expérience, oui, je confirme. Je confirme que la CAF, effectivement, a bien fait son rôle parfois, donc elle m'a bien versé les sous. Néanmoins, après la grosse expérience que j'ai eue, donc c'est une des vidéos que j'ai faites hein, il y a quelques mois, qui dit comment mon locataire ne m'a pas payé pendant 10 mois, donc je vous mettrai la vidéo dans le lien dans la description ou alors sur un bandeau. J'ai été un peu refroidi avec la CAF. Et finalement, je vous avoue que c'est une expérience que j'ai pas forcément envie de retenter. Donc, le fait que mes locataires sont des locataires précaires et qui perçoivent la CAF, vu ce que j'ai vécu avec la CAF donc de Saint-Quentin, parce que j'ai investi dans Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas forcément renouveler l'expérience et j'ai préféré donc vendre des immeubles. Donc, il y en a les deux. Un, il a acheté 93 500 euros, il a revendu 113 000 euros, 3 ans après. Il a, au net de calcul qu'il est prononcé, il a 21 000 euros qu'il a gagné. Et dans la même ville, il avait acheté 112 000 euros un bien qu'il a vendu à 93 000 euros. Donc là, il y a un gain de 20 000 euros ici, 20 000 euros de perte ici. Mais prenant tout en compte les éléments, la moindre value, la position, etc., il a perdu 10 000 euros. Donc net de 2, il a à peu près gagné 10 000 euros. Ce que j'ai tendance à vous dire, une rentabilité qui est exceptionnelle, pour moi, c'est soit vous avez énormément de chance, et why not? Faites vos due diligence derrière de façon bien. Posez-vous des bonnes questions. Mais je pense à dire une rentabilité, si on réfléchit que c'est vraiment le loyer divisé par le coût d'acquisition, même si les locataires vont rester, ça sous-entend que vous allez surfacturer quelqu'un pour un niveau de service qui est moindre. Je ne sais pas si je le dis, c'est clair, ok? Donc, si vous, je trouve que d'abord, un moral, ça me pose une question. Deuxièmement, ça veut dire que ça veut dire que la personne qui est dedans, se rendant compte qu'elle est un peu, va peut-être partir plus tôt. Parce que vous êtes, fondamentalement, si vous avez 10% d'un côté et 5% de l'autre, je crois que le niveau de service ne peut pas être équivalent. D'accord? Donc, c'est le premier problème. Le deuxième problème, quand on prend le cas de ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a vu la CAF comme une espèce de garantie tout risque. Mais bien sûr que non. Parce que la CAF, elle va le faire sur la base de déclaration d'une personne qui est le locataire, qui est quelqu'un qui est en précarité, donc qui est plutôt habitué à avoir des problèmes, ou plutôt à vouloir récupérer l'argent sur intérêt et tant pis pour le propriétaire. Donc la garantie tout risque de la CAF était visiblement pas bien pensée à l'avance. Quoi. D'accord ? Après, c'est quelqu'un aussi qui, en plus, fait un peu marche de soleil, quoi, quelque part un peu. Hein. Okay. Donc, voilà, le rendement pour le rendement, si vous ne posez pas de vraies questions, qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque derrière, à l'achat, pendant la durée et à la sortie, sur un marché qui est probablement assez illiquide. Quoi. Qui a envie d'acheter un appartement, un immeuble délabré à 50 ans dans l'Aisne, quoi, ou dans un village, quoi. Okay. Vous voyez, la rentabilité toute seule, sans se poser les vraies questions sur quels sont les risques auxquels je m'expose, je ne recommande pas. Quoi. Ouais. Peut-être. Il y a un facteur qui fait que tu peux avoir en fait, une décorrélation entre le loyer et l'achat. Ouais. Effectivement, c'est intéressant de voir les taux de rentabilité. Pourquoi ? Parce que les gens sont... En fait, ça s'explique parce que la population là-bas, elle est beaucoup liée en fait, à des activités comme l'armée, comme la recherche, et également les études. Mais sur trois populations, ils n'ont aucun intérêt d'acheter puisqu'elles ne vont pas rester. Plus effectivement terminés de fonctionnaires, militaires ou chercheurs et les étudiants, qui fait qu'en fait ça entretient ce marché où la location est plus élevée que l'achat. Et puis aussi, c'est probablement le cas. Et je ne dis pas qu'encore une fois que tout le monde devrait être à 5%. Hein. Je ne dis pas ça du tout. Je dis c'est quand il y a un gap un peu trop important, posez-vous les bonnes questions. Quoi. Parce qu'effectivement, le marché immobilier à Paris est tellement cru, comme le loyer est encadré par la loi Allure précédente,
et que le loyer donc ne peut pas prendre plus de 1 à 2% par an, et que l'immobilier a pris peut-être 10% en moyenne depuis 20 ans, on a forcément déjà un rendement qui est moindre à Paris qu'à Orléans ou à Brest. On est d'accord ? Mathieu, tu m'entends ? Ouais. Ouais, je voulais savoir, l'information que tu donnes, c'était, enfin, j'ai pas entendu où c'était, mais peu importe, mais comment tu as eu ces informations du profil des personnes qui travaillaient là ? C'est parce que tu t'es renseigné sur les entreprises, sur ce qui était présent ? Comment tu le sais, en fait ? En fait, tu as toutes les infos auprès des mairies, auprès des organismes. Enfin, là-dessus, on est dans un pays où, en fait, tu as énormément de données qui sont publiques. Toutes les données démographiques, toutes les données de cadastre, c'est quelque chose de formidable. Il y a peu de pays comme ça dans le monde. Et typiquement, sur la démographie, sur la composition de la population, tout ça, tu les as auprès, ne serait-ce que de ta mairie, en fait. Et après, effectivement, tu peux regarder des analyses liées à l'activité économique, ouais. C'est là aussi très important. Ouais. Donc tu peux avoir. Tu les trouves sur Internet ou tu demandes à la mairie ? Regarde, les notaires vont te donner les prix de transaction actuels dans ta ville. C'est assez gratuit. Même plus pour des impôts. C'est libre. Ouais, c'est dédié. Ouais. La démographie, INSEE, ta ville. Donc tu vas savoir si ta ville est plutôt en train d'accueillir des nouveaux habitants ou pas. C'est des indices que tu veux. Le nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires, tu vas voir. La mairie doit l'avoir, je pense. Qu'est-ce qu'il y a encore comme information ? Le nombre d'emplois, ça c'est important. Est-ce que les emplois sont en croissance ? Ça, tu l'as aussi avec l'économie, ça. Un truc qui est pas mal, je vois à la mairie de Rouge, c'est que moi je reçois la composition du budget. Et dans le budget, c'est tout con, mais tu sais qui cotise ? Les entreprises versus les individus. Tu rapportes ça à la démographie, tu as des informations très très intéressantes très rapidement. Ok. Moi, je vous recommande de tester votre sensibilité au risque. On ne va pas le faire, mais je vous mettrai le lien sur Slack. Il y a un test très intéressant qui demande d'avoir un peu une cicatrice à côté et qui permet de vous dire après, à une bonne dizaine de questions, quel est un peu votre niveau de sensibilité au risque pour voir est-ce que les placements financiers à la bourse ou est-ce que l'immobilier, entre autres, est-ce que c'est des placements pour lesquels vous êtes entre guillemets construit ou pas. Je propose d'avancer. On est pas mal, je pense, à mon avis. Notre relation au temps. Donc là, c'est intéressant parce que j'ai. C'est ça qui s'appelle le test du marshmallow. Vous connaissez ? Didier, tu connais ? C'est pas un test avec des enfants où tu poses un marshmallow devant les enfants ? Il est fort. Il est fort. Bon, ça passe avec nous alors, d'accord, comme tu connais déjà. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one. So you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay? Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you. Okay. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. Okay, yeah. So eat it now or wait till I get back, you can have two. And I'll be back in a moment. If you wait, we won't lose two? Yep, if you wait, you get two. Or you can eat it now, whichever you want. Okay? I'll make another one. Get away. But if you wait until she gets back, she'll give you two. She still won't give you two because you ate some of it. And I didn't eat a single bite. So go to shore.
C'est vient d'une étude de Stanford sur l'idée, c'est que un marshmallow représente une gratification immédiate, et ils voulaient savoir si on propose à un enfant une gratification future, si la valeur de la gratification future est suffisamment forte pour qu'il résiste de façon immédiate. Ils se sont rendus compte, c'est ce qui est marqué à la fin, qu'en fait ils ont prouvé exactement l'inverse. Plus on est confronté à la gratification immédiate et plus on discounte la gratification future. Okay, donc c'est l'inverse, entre guillemets. Ces gens, tu en auras deux si tu attends 10 minutes. Ces 10 minutes-là sont complètement détruites, entre guillemets, ou la valeur du deuxième article dans 10 minutes, parce que tu es tellement, tellement attiré par ce que tu veux avoir comme plaisir maintenant. D'accord ? Et donc ça, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, et ils l'ont prouvé. Mais ça veut dire aussi quand même que si on pense un peu à nous-mêmes, et à la société de confiance dans laquelle on est soumis à cette tentation de gratification tout le temps. La publicité, le marketing, on sent. Et surtout, non seulement il y a ça, mais surtout, on a tendance à discounter la valeur du futur, en fait. Plutôt que de dire qu'un marshmallow qu'on a dans 10 minutes a une valeur équivalente à celui qu'on a tout de suite, ce qui est la logique la plus classique, eh ben non. Préfère manger le marshmallow et abandonner le fait d'avoir un deuxième 10 minutes après. C'est fort, non ? Et troisièmement, après, je ne sais pas quel enfant vous êtes, et je n'ai pas retrouvé le nombre de pourcentages d'enfants qui résistent, qui ne résistent pas, mais c'est vraiment inscrit profondément dans nos gènes, d'accord ? Ou dans nos réflexes culturels. Que déjà, à l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas 4 ans, 5 ans, ils ont déjà cette incapacité à résister à cet influx-là, quoi. D'accord ? Donc, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de votre propre volonté et de sa force. Okay, faites plutôt confiance, à mon avis, à des systèmes qui vont automatiquement avoir les bons comportements de gestion de vos finances, plutôt que, ouais, attends, moi, je sais gérer ma finance, ouais, je vais décider de mettre 500 euros. Ouais. Voilà. Détourner les yeux de l'objet du désir, ça a été étudié par pas mal d'enfants, ça marche, mais ça a des limites. Hein. Et pour nous, en tant qu'être humain, marcher dans la société sans voir de publicité, sans entrer dans un magasin, sans entrer dans un rayon chocolat, c'est compliqué de tourner les yeux tout le temps. Hein. Troisième point, ce qui marche, et d'autres vous le diront, et tout à l'heure tu en as parlé la dernière fois, Mathieu, c'est mettre en place une stratégie d'investissement qui est automatique. Et l'immobilier a cette vertu-là, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif, c'est qu'une des parties du succès de l'immobilier, c'est que le remboursement à la banque qui correspond donc au capital des intérêts, il est automatisé. Ce n'est pas vous qui devez y songer tous les mois. Donc, vous bénéficiez de cette automatisation indépendamment de votre force à résister aux gratifications immédiates. Et puis, le grand problème qu'il y a, c'est le temps est discounté. Quoi. C'est au-delà de raisonnable. 10 minutes plus tard, tu refuses d'attendre un marshmallow. Enfin, on se pose la question, mais bon, oui, c'est un enfant, un adulte. Mais les choses sont quand même assez intéressantes. Donc, du coup, l'exemple suivant, et je vais vous l'expliquer rapidement, mais supposons que vous gagnez 5 000 euros net par mois, que vous avez un loyer de 1 000 euros, donc vous avez quand même 4 000 euros pour vivre, et que vous décidez de mettre, d'allouer un budget de 500 euros par mois en sortie restaurant, et vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous faites ça pendant 10 ans, d'accord ? Donc vous allez avoir un coût. Et supposons que vous êtes plutôt un spartiate, quelqu'un de frugal, et vous décidez de ne pas aller au restaurant pendant 10 ans. C'est un peu illusoire, mon cas, mais c'est pas grave. Okay, mais ça, la même logique marcherait si vous dites, ben, tiens, je réduis mon budget restaurant de 250 euros par mois et je les mets de côté pendant 10 ans. Ce que je vais vous montrer, j'ai un tableau Excel, je vous montrerai tout à l'heure, mais si on prend en compte une inflation de 6 000 euros qu'on a dépensé, si on attend et qu'on place l'argent relativement mal pendant 10 ans, on a 96 000 euros disponibles
pour ensuite le dépenser, quoi. D'accord. Donc, les choix qu'on fait favorisent beaucoup trop le temps présent et pas assez le temps futur. C'est vraiment, vraiment ce qu'il faut retenir. D'accord. Du coup, on va faire quelque chose sur un Excel. Donc, je vous demande de prendre vos laptops et d'aller sur Excel. Je vais vous demander de calculer et de faire un calcul de taux actuariel. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc, on va partir du principe que vous avez une somme de 100 000 euros aujourd'hui, d'accord, et vous allez gagner 10% dessus. Donc, dans Excel, pourriez-vous me faire la formule qui permet de passer de 100 000 à 110 000? Si vous ne pouvez pas le faire, je peux le faire pour vous. D'ailleurs, si je trouve, d'ailleurs, vous sont... C'est ici. Ah, attends, on commence. Ah, si, okay, ouais. Donc, vous avez 100 000 euros, d'accord? Vous avez un taux de rendement de 10%. Quelle est la formule mathématique qui permet d'avoir la valeur dans un an, dans deux ans, dans quatre ans? C'est un quiz, mais si vous ne savez pas, je peux vous la montrer. Tu vois plus ton écran. Tu comprends? Tu es avec nous, Didi, ou pas? Oui, toujours là. D'accord. Enfin, donc, 100 000 euros dans un an, c'est quoi? C'est 100 000 euros multiplié par 1 plus le taux de croissance, exposant le nombre d'années, quoi. Donc, dehors, il y a une faute ici, d'ailleurs. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là que le mettre, il faut le mettre dehors. Mais c'est pas, ça ne change pas parce que j'ai… OK. 110 000 euros. Ça va? Donc, la valeur, 110 000 euros dans un an, sa valeur actuelle, c'est quoi? C'est la formule inverse qu'on vient de faire au-dessus. Ça va? Ouais, sûr. Didier? Ouais, le problème, c'est que j'ai perdu l'écran. Alors, je vais reprendre le temps. Est-ce que c'est assez important? C'est même assez fondamental. Ça y est, voilà. Parce que j'ai toujours l'impression et pas l'écran. OK. Donc, 100 000. Ouais. 10% dans un an, c'est 100 multiplié par 1 plus 10%, oui. Exposant le nombre d'années où tu vas laisser le bien gagner ces 10%. Donc, ça fait que 110 000 euros au bout d'un an. 110 000 euros avec 10% de croissance, ça va faire, je sais pas, 125 000 euros, et ainsi de suite. D'accord. Et donc, l'inverse, c'est je prends la valeur dans X années. D'accord. Et je l'actualise en prenant la même formule, mais cette fois-ci, c'est divisé par, c'est exposant moins. Là où tout à l'heure, on avait exposant plus le nombre d'années. Ça va? C'est sûr que ça va ou ça ne va pas? C'est clair. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait la formule inverse, mais un moins, et je retombe sur mes 100 000 euros. D'accord. Donc, 110 000 euros aujourd'hui, si vous me demandez la question, Jean-Pierre, je préfère avoir 100 000 euros aujourd'hui ou 110 000 euros dans un an, sachant que mon exigence de rentabilité de 10%, la réponse, c'est les deux, mon capitaine. C'est la même valeur. On est d'accord? OK. Je vous fais la formule. Vous avez deux investissements devant vous. D'accord. Le premier vous demande. Alors, ça, c'est plus simplifié. Hein. Le premier vous demande de sortir 50 000 euros en cash de votre trésorerie. D'accord. De toucher 5 000 euros de cash flow net l'année 1 jusqu'à l'année 9. Et l'année 10, donc à la sortie de l'investissement, vous encaissez 150 000 euros. D'accord. Le deuxième investissement, vous sortez peu de votre poche la première année, 5 000 euros. Vous sortez 13 000 euros l'année 1 et l'année 9 et vous encaissez que 20 000 euros l'année de la sortie. L'idée, c'est d'arbitrer entre les deux investissements. D'accord. Donc, je propose de. J'ai déjà fait un peu, mais je propose que vous fassiez vous-même parce que c'est important que vous ayez cette mécanique-là. Quoi. C'est, je ne cache pas que c'est le mode de valorisation d'un choix d'investissement qui est le meilleur. Et alors, le meilleur, c'est Warren Buffett qui fait ça, mais tout le temps. Il évalue une société, il évalue lui-même les cash flow futurs de la société, il fait le calcul de ce gagnant-là, il regarde. Maintenant que j'ai valorisé la valeur actuelle, divisée par le nombre d'actions, si la valeur actuelle par le nombre d'actions est supérieure à la valeur du cours de bourse, il achète. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, c'est le roi de l'estimation du cash flow futur. Et je vous dis, c'est exactement ce qu'on fasse à notre niveau. Nous, on n'est pas Warren Buffett, mais d'accord. Je propose de mettre, vous voyez un peu les chiffres, mais je propose de mettre sur un tableau les flux du premier exercice, c'est-à-dire 50 000 euros négatifs
5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000,
alors que la logique, je dirais, scolaire, vous serait dire, bah non, t'as 55 000 euros de additionner ici, 102 000 euros, bah non, prends plutôt celui-là. Ok. Ça va, Didier? Au pire, je t'enverrai le document Excel pour que vous puissiez. Ouais, je veux bien. Je te dirai ça. Oui, mais tout est fait là. C'est formule. Parce que c'est vrai que moi, je reste dans la logique intuitive. Ah ouais. Raté, hein. C'est-à-dire que moi, je récupère 145 000 de cash. Bien d'accord. Et l'autre, c'est 132 000. Donc, par contre, c'est-à-dire que tu as moins immobilisé. En fait, pour avoir tes 132 000, tu as moins immobilisé. C'est ça, en fait, quelque part. Non. Ce que ça veut dire, mais c'est parfait que c'est exactement ça. C'est pas une question d'immobilisation. C'est que la valeur future de tes cash flows rapportés à ton temps présent est plus efficace ici que celle-là. C'est ça que ça veut dire. Mmh. D'accord ? Et donc, quand tu prends une décision au jour de 2019, sur la base des cash flows futurs, il faut que tu calcules la valeur actuelle des cash flows futurs de la manière qui est correcte économiquement parlant. C'est celle-là. D'accord ? Et c'est fondamental. Ça veut dire que c'est fondamental. Je ne peux pas dire autre mot que ce mot-là. Quoi. OK. Hein ? OK. Okay. Donc, c'est. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi aussi ? Enfin, je vais quand même vous semer. Supposons que la personne qui est à l'intérieur de Orléans va commencer à faire des hypothèses. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que si un studio, un T1, pour un étudiant, il y aura probablement un peu de vacances pendant les mois d'été, quoi. On peut l'imaginer. Donc, il va falloir prendre un loyer, il va falloir prévoir peut-être plutôt 10 mois de loyer encaissé pendant mes 10 années, quoi. Peut-être une année sur deux. Si un étudiant vient pour faire un DUT qui est à côté, il va rester 2 ans. Donc, il y aura peut-être un passage de témoin la deuxième année. Donc, il va falloir faire une estimée où il y aura peut-être une vacance une fois tous les 2 ans. Quoi. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour prévoir quels seront… Et après, mais tiens, ma taxe foncière, elle va croître de 0,5% par an. Mon loyer va peut-être croître de 1% par an. Il va falloir faire un tableau. Et bon, après, je mène mes mensualités d'emprunt. Et vous allez avoir après le net-net de vos flux de l'année 2019, 20, 21, 22. Mettez-les verticalement comme ça et demandez… sur le studio et le T3 en colocation avec deux étudiants à l'intérieur, quel sera le T3 en colocation ou le studio qui sera le meilleur? Tu vois, Didier? C'est la question, c'est la manière qu'il faut prendre une décision. Au-delà des interrogations sur la valeur immobilière, la marché locatif, on a parlé de ça avant, hein, je ne dis pas, ne faites pas d'analyse de marché et faites que du finance, je ne sais pas ce que je dis, mais à la fin, arbitrez avec ça. Ça marche? Donc, dans une hypothèse d'investissement immobilier sur le bon coin, ce n'est pas marqué le taux de rendement des cash flows futurs. On est bien d'accord. Okay, donc, prenez le rendement brut déjà pour vous donner leurs idées. Regardez si vous avez un projet qui fait sens derrière. Okay, évaluez un petit peu la taxe foncière. Posez la question au propriétaire actuel. Vous faites un petit peu déjà vos cash flows. Tiens, si j'emprunte à 20 ans, 100 000 euros. Voilà. Regardez un peu si l'opération sera positive ou négative en fenêtre. Mais à la fin, validé avec le taux de rendement des cash flows futurs, parce que, encore une fois, nous sommes tous des enfants qui mangeons des marshmallows. Nous sommes tous des enfants, on discount la valeur des cash flows nets futurs. Ça va ? Didier, tu es toujours là ? Ouais, toujours là. All right. Continuons. On a fait là, on attaque la B. Donc, d'un aspect psychologique, on a vu donc la gratification immédiate, la difficulté de résister à ça, on a vu le discount de la valeur temps, on a vu des éléments fondamentaux en rendement, on a vu aussi donc le taux de rendement interne. Donc, c'est des fondamentaux. Hein. Et ça, sur Internet, tous les conseillers immobiliers, ils n'en parlent jamais. Quoi. Que je suis là, mais vous ne parlez pas de cash flow. Bon. On a vu que le cash flow, c'est à la fin ce qui te fait tenir à la retraite. Quoi. Donc, si tu ne parles pas de ça, je ne sais pas. Donc, il y a un domaine qui me semble vraiment super important, c'est le domaine de la peur. Et le meilleur moyen d'en parler, c'est de vous passer de la vidéo suivante. Skydiving is a really interesting confront with fear. I gotta stand up. You go out the night before and you know, you take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah. And everybody goes, yeah. And you go home by yourself, you're like,
right? You're like, well, I mean, they was drunk too. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that. So you get there and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is you're doing, what could happen? So you get onto the airplane, and you're sitting there, and you know, it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger, trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? So you fly, and you go up to 14,000 feet, and somebody opens the door. In that moment, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Terror, 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 terror. And then people start going out of the airplane. And the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. They say, on three, one, two, and he pushes you on two because people grab on three. And you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of fear. Okay. Donc la peur est très sournoise. La première session, j'ai entendu des... On m'a posé la question. Alors moi, j'ai plus peur. Hein. Mais quelqu'un ici m'a demandé, t'as pas peur d'avoir des impayés locatifs? Et en plus, c'était marrant, c'est la question qui était posée à moi. C'est toi qui exprime ta peur, là. C'est ta peur qui s'exprime. Peur de la crise immobilière. Peur de se faire contrôler par le fisc. C'est la question qu'on m'a vraiment posée. Je te garantis. OK? La manifestation de la peur est vraiment là. Et la même chose avec les investissements immobiliers. Il est fort probable que vous aurez peur de vous lancer. D'accord. Et ce n'est pas une critique. Mais ce qui est important, peur de l'endettement. Bah oui, oh, je vais prendre sur 20 ans. Moi, je me lance très bien avec quelqu'un à qui j'ai parlé dans la banque. 20 ans, t'imagines. Quand on sait qu'on garde les biens en moyenne 7 ans en France, on en prend 20 ans, c'est une juste de l'esprit, en fait, fondamentalement. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que... Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on confond les risques avec le fait qu'on ne contrôle pas la situation. Là, le monsieur qui, donc Will Smith et son coach, lui, il saute, c'est son métier tous les jours. Donc, il sait les contrôles qu'il doit faire pour sauter et ne jamais risquer sa vie finalement. D'accord ? Will Smith, il est passé par les NSX, etc., etc., mais c'est la peur qui le fait parler, quoi. Le niveau de risque n'est pas supérieur pour lui qu'il est pour l'autre personne parce qu'ils ont les mêmes chèques. Fondamentalement. Mais l'autre, il sait qu'il contrôle ce qui va lui se passer. Quoi. Alors que Will Smith, il ne connaît pas, donc il ne contrôle pas. Et d'ailleurs, à mon avis, je ne serais pas mieux que Will Smith. Hein, je vous rappelle. Voilà. Vous connaissez moi-même. D'accord ? Oui, tu risques de mourir. Même un petit mur, tu as 8 mètres de haut. Mais après, ouais, tout est question de préparation. Et puis, tu ne maîtrises pas. Parce que c'est quelqu'un qui t'assure. C'est de la confiance. En fait, c'est drôle. Manque de contrôle. Physiquement, je ne pense pas être le meilleur de mon groupe. Je suis celui qui grimpe les trucs les plus difficiles.
Parce qu'un mouvement qui est, quand tu as tes deux pieds sur terre, étendre le bras, ou même se mettre sur la pointe des pieds, on peut le faire. Mm. Par contre, en fait, face à un mur, tu es juste assuré par quelqu'un en bas, mm. avec des pieds qui sont 1 cm de large, ouais. et donc tu les perds. Ouais. C'est assez marrant. Donc la question, c'est comment confronter votre peur, parce que vous allez l'avoir. Et elle va vous éviter d'aller vers l'immobilier, qui est un peu, quand on reprend la métaphore de Wismic, qui sera le blissful moment, quoi. Vous allez voir l'argent qui rentre tous les mois. Et on va voir tout à l'heure un exemple très concret. Donc là, il y a différentes façons de se prendre. Je vous en mets quelques-unes qui sont là. Si vous êtes entouré de gens qui ont tout à fait l'immobilier, bah, si il a réussi, pourquoi pas moi. Si il a réussi, pourquoi pas moi. Apprendre tous les jours à continuer votre culture financière, avoir une gestion possible sur la côté. Bon, je vais aller un peu plus sur ça, mais une d'entre elles, qui pour moi, et je crois que tu l'avais dit la dernière fois, vous avez du sens à votre projet immobilier. C'est quelque chose qui fait du sens pour votre famille, ou pour ce que vous pensez de famille, par exemple, tu vois, un reste. Moi, par exemple, j'ai une maison comme ça, que je mets en location. Je ne vais pas être trop long sur le type de feedback que j'ai, mais je ne sais pas combien je dois avoir de commentaires sur Airbnb. Est-ce que c'est le commentaire que j'ai eu en privé de la personne? Notre fils a soufflé une fois encore ses bougies dans ma maison et dormi pour la première fois dans un lit de grand. De ses vacances avec nous et ses grands-parents. Ses pleurs au moment du départ sont la preuve qu'il nous a. Il y a lui aussi beaucoup à passer son séjour. Finalement, on se demande si la course Marseille Cassis n'est pas un camp prétexte pour profiter de belles vacances, tailler du beau temps. Cerise sur le gâteau, un petit reportage télévisé sur Cassis sous le soleil. Et Louis, donc le fils, s'est vu à la télévision lors du JT de TF1 de 13h. Encore un moment inoubliable. Merci, Jean-Pierre, pour toute l'attention. Et l'an prochain, certainement, bien cordialement. Donc, quand j'ai vu ça, j'avais les poils qui montaient, quoi. Des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement. Qui prennent le temps de faire les messages qui sont marqués ici, cadre et magie, qu'on ne se lasse pas, et ça. Enfin, je veux dire, ok, j'en prie aussi l'argent aussi avec, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du sens là. Tu vois? Et du coup, ça peut être un élément pour vous si vous lancez. Vous allez pouvoir permettre d'avoir des conditions optimales d'hébergement à une jeune fille étudiante qui ira en sécurité à sa fac. Why not? Why not? Ok? Ça va? Réaction? Didier, commentaire. Très bien. Ok, ouais, je crois que c'est ça, il est vraiment franc. Alors, du coup, il y a aussi des éléments de vertu qui nous semblent assez importants de cultiver parce qu'elles vont permettre de rendre possible des succès. Je pense, tout à l'heure, tu as dit le mot juste, Mathieu, hein, la préparation est clé. D'accord. Et justement, je serais curieux, si on devait les noter, les juger de 0 à plus, donc 0 étant le niveau minimum, et plus le niveau de... Enfin, à quel point c'est requis pour que ça puisse marcher en tentative et action. Est-ce que la préparation est un élément très important ou pas? Donc 0, tu mettrais toi, la préparation n'est pas... Mais est-ce qu'elle est requise pour toi? Est-ce que c'est une vertu requise aujourd'hui? C'est quelqu'un qui se lancerait. Ça peut être c'est la connaissance sur le marché des actions, quel type de danger je peux passer. Pour moi, ça fait partie de la préparation. Quoi. La stratégie que tu vas construire. Non, l'idée, c'est que tu donnes une note. Alors, soit de 0 à 10, 0 étant. Mais non, la préparation, on saute. Genre dans une piscine, par exemple. Donc, une piscine, à mon avis, il faut savoir nager. Donc, ça ne marche pas. Ouais. Tu mets un plus, ou deux plus, ou trois plus. Un plus. Non, action. Non, moi, je voudrais quand même plus. Je pense que. C'est mon élément. C'est mon élément. La consistance dans ta méthode d'investissement. En clair, bah, tiens, je vais prendre une stratégie value. Ah non, je prends une note de croissance. Ah non, je prends. Okay. La consistance. Ok. Donc, 3, je vais mettre. Je vais mettre 3 aussi. Non, je vais mettre 2. Je pense qu'on peut changer, mais la méthode de choix d'investissement, je pense qu'il faut améliorer un peu. Mais tu peux changer. Je peux dire un jour, je fais un mobilhome. Un jour, je prends un studio, après, je prends une maison, enfin, je prends une autre. Et la méthode, par contre, non, la méthode, je mettrais quand même une plus. La méthode, pas le véhicule, c'est autre chose. Après, la constance dans tes efforts ou les actions. Donc, pendant le temps, pendant la vie de l'investissement, le fait d'être constant. Typiquement, par exemple, c'est mettre 500 euros tous les mois de côté. Les actions, en fait, c'est zéro. Dans le sens, une stratégie sur cette partie-là. Sur cette partie-là, l'investissement spot, ouais. Et venir au plus vite. C'est deux approches différentes. D'accord, mais dans ton expérience à toi.
D'accord, mais alors quel est le niveau, en quoi la constance est incapable tous les mois de s'y intéresser, tu vois, ou c'est ça? Non, mais t'es intéressé de suivre ce qui se passe. Tu vois, la constance, c'est ça. La clé de constance, c'est être capable tous les jours. Juste en plus. D'accord. Ok. Moi, je mets juste un plus aussi parce que l'immobilier, t'as pas peine de chercher un bien tous les deux jours. Par contre, il faut être capable de le faire tous les six mois. Par exemple. Donc, c'est ça que je ne mets pas à zéro. Là. Tu vois ce que je veux dire? Esprit de décision. Eh ben, c'est contraire de l'émotion, quoi. Tu vois, c'est... Et puis, capable de pouvoir prendre la décision et je le fais, quoi. Ok. C'est 3 plus, c'est 3 plus. Discipline, c'est la discipline. Ouais. 3, ok. Okay. Ouais, je vais mettre contre les émotions, donc très fort. Je vais mettre un plus sur ici, parce que l'avantage de l'immobilier par rapport aux actions, c'est qu'une fois que tu t'es engagé dans un studio, que tu pètes tes peurs, t'as peur. Si t'as rien et tout, tu ne pourras pas le vendre comme ça. Alors que l'action, c'est différent. Tu vas sur Internet, oh tu vois, donc je pense que le droit d'émotion est le moins important. Priorisation, être capable de prioriser ce que tu fais dans ta vie. Quoi. C'est-à-dire, en clair, voilà ce qui est plus important de faire. On doit te faire une section, pas mal de gens ici. On dit, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Il commence par le moins important. Priorisation, c'est la capacité de savoir qu'est-ce que j'ai à faire et je fais en premier ce qui est plus important. Et en deuxième, ce qui est de. Ok. Hein? Ok. Ça va. Qualité interrelationnelle. Mais comment tu parles avec les gens, quoi? C'est par exemple, j'ai oublié. Ouais. Classer la main, oublier, c'est vachement important. Courage. Je vais mettre l'immobilier un peu plus, quoi. Je mettrai. Résilience. Je vais mettre 2 plus ici et ouais, et encore. Ouais, ouais c'est bien. Force de volonté. Ouais, alors discipline, c'est. Ouais, force de volonté, c'est je fais quelque chose et tu le fais vraiment. Ouais, tu vois, c'est discipline, c'est. Et être résultat orienté. On va mettre 4-0, mais 4 plus. Mais... Ok. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces qualités-là, messieurs. J'utiliserai un langage économique, c'est toute chose égale par ailleurs. En fait, tout ça, tu le mets dans un contexte. Et après, tu as le contexte dans lequel tu es. Parce que, effectivement, imagine que tu es dans une situation stable. Ouais. Et puis, tu es dans une situation instable. Ouais. Tu peux, je vais prendre le cas de la volonté. Ta force de volonté, tu peux devoir être confronté à une situation où tu vas devoir, qui va te monopoliser ton temps. Du coup, il y a l'aspect constance en fait, dans l'investissement. Ouais. C'est que tu arrives à t'extraire de… Parles de self-discipline. Ouais, je pense qu'il faut que tu arrives forcément, indépendamment du contexte, à t'extraire de ton contexte pour continuer ta trajectoire. Je pense que c'est un facteur important. Je crois qu'il y a un facteur stabilité qui me semble important quand même. Ok. Okay. Mais je crois que c'est un avis personnel. Hein, mais... ce que tu dis... Non, mais ce que tu dis n'est pas contradictoire avec les vertus nécessaires pour… Ah non, non, pas du tout. Mais que le contexte peut influer dans tes priorités, ouais, c'est sûr. C'est intéressant. C'est que quand tu voire presque en faire une habitude tellement tu es discipliné que ça devient une habitude. C'est une question d'habitude, ouais. Changer ses habitudes en fait. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ça me énormément. Et une fois que tu as établi ta méthode, il faut prendre du plaisir et il faut le répéter. Il faut répéter un nombre de fois suffisant pour que ça devienne une habitude. En fait. Absolument. Super. De toute façon, mais on arrive, on ne fera pas tout ce que je souhaitais faire, mais on arrive à la fin. Parce que là, j'ai plus, je crois, 12 slides et on a fini cette partie-là. Donc, ça, avec le timing qu'on a, 15h30, c'est parfait. Donc, le dernier élément, c'est le fameux breakthrough. C'est-à-dire, en clair, qu'est-ce qui me permet de sortir de la
l'inertie dans laquelle je suis par rapport à mes habitudes de carrière et de vie pour pouvoir, tiens, commencer à investir. Et là, j'ai une vidéo qui est assez courte. Au début, il n'y a pas le son, donc il faut lire le sous-titre. Je suis désolé, j'ai un peu raté la... C'est... Alors, Tony Robbins, c'est un des principaux gourous qui existent dans le développement personnel. Et je vais lire ce qu'il dit sur le sujet. Fit and healthy. It's not that complex, and yet 70% of the U.S. is overweight. It's like, you just have to do it. It's not a strategy problem. What it is why aren't they doing it? It's because they have a story. And everyone does this. Entrepreneurs, business people, everyone does this. When we get fearful, when we've tried something and we're not succeeding as fast as we want, when we are afraid of failing, we come up with a story about how it's not our fault or how we're going to do it in the future, because then we don't have to feel bad. Feeling bad makes us have to deal with it. Most people are overwhelmed, so they come up with a story about, I tried everything. If you tried everything, you'd be fit. I tried millions of things. Millions, name them. Three things they did 50 times that don't work. Right. But I think if you can come up, when you change the story, when you come up with a new set of beliefs, you'll find yourself finding the strategy or using the strategies that already work that are there that right now your mind says, oh, it won't work. And the best way to change people, you got strategy, story, is state. And I always share this with business owners. You've got to be able to produce a different state in your people. There has to be something compelling. There has to be a sense of mission. Donc, les trois éléments, en conclusion, et on terminera, c'est que si vous voulez être capable de changer, les stratégies, ce que je vous explique, les outils, les calculs, etc., ne vous suffiront pas. Ne suffiront pas. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le côté psychologique et compagnie, vous imaginez bien. Ce qu'il dit, c'est que le poids des mots que vous avez par rapport à vous-même est super important. Ouais. Et il s'agit de changer. Je peux être un investisseur, je suis un investisseur immobilier successful. Et le dernier élément, c'est le state of mind, l'état d'esprit. C'est la manière dont vous endez votre situation. Si vous êtes toujours un peu pessimiste, qui n'arrive pas, c'est le gouvernement et tout, l'état d'esprit-là ne vous permettrait pas de changer. D'accord ? Donc voilà. Non, mais je vous prie. Et puis après, juste, mais si vous voulez y aller, allez-y. Pour cimenter cette nouvelle story, il y a une technique que propose Brian Tracy. Je vais mettre la vidéo et on va s'arrêter juste là après. Mais l'idée, c'est que le pouvoir de la volonté est trop fini, n'est pas assez puissant. Et il propose d'utiliser plutôt le pouvoir de subconscient, en fait. One of the greatest discoveries in all of human history, the foundation of all religions and philosophy and all success, is that you become what you think about most of the time. Is all the previous thoughts in your life have led to a very complex program in your mental computer, sort of like a GPS system that guides you and directs you every minute of every day. If you want to change the results you're getting in the outer world, you have to reprogram your system so it takes you to a different destination. And there's several ways to do it. Let me just give you a couple of ideas. Number one is to set a clear goal of where you want to be and what you want to do and what you want to achieve sometime in the future. It could be as simple as saying, I earn X number of dollars by this particular year. Always start a goal with the word I. Always follow it with an action verb, I earn. Be specific about the amount, not just more money, but the exact amount, by this particular date. This is accepted by your subconscious mind as a command, like a command from head office down to the manufacturing floor. Your subconscious mind then accepts that command as an order and goes to work to bring it into your life, and it works 24 hours a day. So everything starts with your making a positive statement about a desired future event, but you always say it in the present tense as though it were already true. You don't say, I will lose this amount of weight. You say, I weigh this number of pounds. The second thing that you do is you visualize and create a mental picture of your goal as if it were already a reality. Remember, all changes in your life begin with a change in your mental pictures. For example, let us say that you want to have a beautiful house or a beautiful car. And I've given this advice to thousands of people. Is start to go out to open houses on the weekends in neighborhoods where you would like to live. My wife and I did this at the very beginning when we were married and living in an unpaid-for condominium. Within a year, we were in a house in that neighborhood. And
Later, we got into a house in a bigger and better neighborhood, and later, an even bigger and better house in a nicer neighborhood. Because what we did is we would go through houses and we would visualize and feed our minds visually of all the rooms and pictures and layouts. And soon we began to gather a picture of what our perfect house would look like. Another thing you can do is subscribe to or buy magazines off the bookstands, Better Homes and Gardens, Architectural Digest, page through. Look at the beautiful home. Look at the real estate sections in the newspapers every weekend. Look at the beautiful homes and descriptions that they have for sale and start to create a picture of your beautiful home. And you will be absolutely amazed at how fast you find yourself in the home of your dreams. Now, another thing that you can do is act as if you already had the goal that you desire. So let us say, for example, you want to be financially independent. You want to be financially successful. How would you behave if you were financially successful? How would you dress? How would you organize your life? How would you treat other people? Sometimes I say, imagine that you are financially independent. You're independently wealthy, and you're only doing your current job as a courtesy to your boss and to keep yourself busy during the day. But basically, you're an extremely wealthy person. You've inherited an enormous amount of money from some source. How would you behave if you were already the wealthy person that you desire to be? Many people don't realize that if you behave like a poor person, there's an old saying that poor folks have poor ways. If you behave like a poor person, you'll always be poor. If you dress like a bum, if you have a messy home or apartment, if your car is dirty with junk in the back seat, that's how poor people live. And what happens is you're surrounding yourself with the image of being poor, and you cannot change your outer world until you change your inner world. And one final thing that you can use to reprogram your mind is to talk to yourself positively about the person that you want to be and the things that you want to have. When you see a beautiful car, you say, I drive a car like that pretty soon. When you see beautiful clothes, you say, those are the kind of clothes I wear. When you see beautiful homes, you say, I'm going to live in a house like that. Just keep talking to yourself about the things that you want to have and the person that you want to be. And each time you do, you're reprogramming. And your subconscious mind is accepting your new commands and is working 24 hours a day to bring them into your life. Just give it a try and see what happens. Donc, on va s'arrêter là. Didier, c'est exactement 15h30. Ouais, ok. Encore là. Là, je voulais passer à l'aspect stratégie et objectif, mais on le fera la prochaine fois, quoi. D'accord? Bon, bah ça roule. On fait comme ça. Merci pour ta présence. Merci, Jean-Pierre. Le classeur Excel, tu as fait voir, tu pourrais me l'envoyer, c'est possible? Ouais, je le mets sur Slack, d'accord? Sur l'environnement. Ça marche. Merci pour ta présence encore. J'apprécie. Salut. Merci à toi. Ouais, c'est Jean-Pierre. Ciao.